La situation entre Meghan Markle et sa belle-sœur, Kate Middleton, lors de la parade de la couleur, en 2018 semble avoir été le début des tensions au sein de la famille royale. Bien que Meghan ne soit pas présente à la parade cette année, il est probable qu'elle n'aurait de toute façon pas souhaité y assister en raison des drames familiaux très médiatisés et des révélations faites dans les mémoires du prince Harry. Selon les révélations du prince Harry, Kate Middleton n'aurait pas fait beaucoup d'efforts pour accueillir chaleureusement Meghan lors de sa première participation à la parade de la couleur. Meghan aurait fait une plaisanterie en appelant l'événement que leur foule, mais Kate n'a pas répondu et a plutôt opté pour le silence. Cet épisode témoigne du début des tensions entre les deux belles-sœurs, et le prince Harry a noté que le prince et la princesse de Galles avaient stéréotypé Meghan lors de cet événement. Il est évident que la perception publique de ce qui se passe en coulisses diffère de la réalité. Meghan Markle semblait souriante et bavarde avec sa nouvelle famille lors de l'événement, mais les mots du prince Harry montrent à quel point la situation était différente en privé. Cela soulève des questions sur la véritable nature des tensions lors de l'édition de cette année de la parade de la couleur. Certains développements notables lors de l'événement de cette année comprenaient la mise à jour de l'uniforme militaire du prince William avant la parade, symbolisant son nouveau rôle royal, et le roi Charles III qui a renouvelé une tradition vieille de plusieurs décennies en chevauchant lors de la cérémonie. Ces changements indiquent qu'il y a des transformations majeures au sein de la famille royale sous le nouveau monarque. Malgré les efforts délibérés pour moderniser la monarchie et la rendre plus pertinente, la position étrange de Harry et Meghan au sein de la famille reste la même. On rapporte que leur absence à la parade de la couleur de cette année n'était peut-être pas un choix, car ils n'auraient apparemment pas été invités à l'événement. Bien que la parade ne soit pas conçue pour mettre en évidence les dysfonctionnements familiaux, les tensions semblent être devenues une tradition malheureuse au cours des 5 dernières années.